Prochaine étape, la finale. Wakia a dû ramener tous les appareils de muscu qu'il avait chez lui. Ça a dû être sport de transporter tout ça. Ça ne sert à rien que je sois le seul à être musclé dans l'équipe. Alors j'ai décidé de prêter mon matos. Matez-moi ces biscottos, vous avez vu comme je suis balèze. Ça va? Tu ne comptes pas te servir des machines? Non merci, ça va, je ferai sans. Tu ne seras jamais, jamais, jamais capable de me battre. T'es bien sûr de toi? Eh ben regarde un peu comment je vais gagner. Je veux de l'eau. Tiens. Hé, hey, les gars, on fait une petite pause. Il est temps de pratiquer nos techniques de lancement. Attention. Pompe de feu éclair. Mais qu'est-ce que... Là, j'ai rien compris. Ça vous dit pas qu'on recommence? Sa trajectoire n'est pas bonne du tout. Il y a un truc qui cloche. Bah ouais. Qui est-ce qui a volé mon mojo? C'est le matériel qui est pas bon. Comment oses-tu? Mon matériel, c'est de la super qualité. Alors c'est quoi qui a provoqué ça? C'est l'épuisement. Hein? Tu crois? Ça m'étonnerait. Je viens juste de commencer à me chauffer. Et moi, j'ai encore plein d'énergie en réserve. Pas besoin de faire le plein. Hein? Ce que je voulais dire par là, c'est que vous en faites trop. Comment elle va, votre main gauche, celle qui tient le lanceur? Oh! Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vos muscles se fatiguent. Alors ça doit être pour ça que nos toupies dévient autant. Et donc, c'est quoi le remède, docteur? Il n'y a rien de plus simple. Prenez une journée de repos. Hein? Oh! Mais on peut pas se permettre de perdre du temps! Carrément pas! Et pendant ce temps-là, les chasseurs s'améliorent chaque seconde qui passe. On peut pas faire de break, enfin! Tu peux pas le raisonner? Chou a raison. Allez hop! Au repos, tout le monde! Jusqu'à demain soir, le club est en vacances! Arrête, t'es pas sérieux! Tu es sûr de ce que tu fais? Je suis sérieux! Se tuer au travail, ça fera de nous de mauvais blenders! Pas vrai? Ouais. Oh... Je sais que j'ai dit qu'on avait besoin de faire une pause, mais tout ce à quoi je pense, c'est combattre. Bon sang, je sais qu'un capitaine doit suivre ses propres conseils, mais... Oh, c'est nul. Oh, pourquoi c'est aussi dur? Tu veux bien baisser le volume, Walt? Il y en a qui essaient de dormir ici. Wakia, c'est interdit ce que tu fais. Tu as bien promis à l'équipe que tu ne t'entraînerais pas aujourd'hui. Oui, c'est ce que j'ai dit, mais j'ai changé d'avis. Oui, mais... Hein? Quoi? Mais il est passé où, mon matériel? Quand tu étais à l'école, tu as tout prêté au Beyblade Club, tu ne t'en souviens pas? Ah, génial! Génial! Je m'ennuie. Franchement, je vois vraiment pas en quoi c'est censé nous aider. Toujours autant occupé à ne rien faire, à ce que je vois. Hein? Hé, je peux pas me faire dorer au soleil, tranquille? Si tu te concentrais autant sur le Beyblade que sur ton bronzage, tu pourrais peut-être gagner un combat. Répète ça! Quoi, t'es sourd? Hé, hey, Ryota! On a appris que tu pouvais enfin sortir! Félicitations! Tu dois avoir hâte de rentrer, pas vrai? Et comment? Tu vas pouvoir voir les matchs de Daigo en personne! Assis au premier rang, comme tout fan qui se respecte! Ouais! Vous allez remporter la victoire à coup sûr, pas vrai? Ah, ça tu l'as dit! Tu es mon porte-bonheur, mec, tu le sais! Et puis, il était temps qu'on s'affronte, toi et moi! Ouais! Hé, hey, vous avez vu? C'est Monsieur Invincible. Super pouvoir laser. Hein? Hein? Daigo s'est endormi. Regarde comme il a l'air heureux. J'en connais un qui avait bien besoin de faire une sieste, hein? On n'était pas censé prendre les choses cool aujourd'hui. Je te force pas la main, je te signale. Parle pour toi. Désolé. Attends-moi ici, ne bouge pas, je vais aller te chercher ton ballon. Mec, dégage du chemin, c'est moi qui m'en charge. C'est à moi de m'en occuper, alors arrête de gaspiller ta salive. Il est juste là, je le tiens. Ça y est, je l'ai. Hé, regarde, qu'est-ce que je t'avais dit? Merci.
Dis-moi, tu veux pas m'aider? Hein? Ah oui, tu as le vertige! J'ai trop envie de faire un combat! Moins fort! C'est vraiment trop nul le repos! C'est horrible, je tiens plus en place, ça me démange trop de m'y remettre! Rassure-moi, toi aussi! Non? Alors qu'est-ce que tu regardes comme ça? Wouah, ça c'est du coucher de soleil! On dirait un gros œuf au plat avec du ketchup sur le côté! Venant de toi, ça ne m'étonne pas. Au fait, je me disais... Tu sais comment... Non, je crève de faim maintenant! Hein? Allez, viens dans mon ventre! Miam! Miam! Il manque juste du pain grillé et du poivre! Ça risque de durer longtemps! Je me disais que je suis vraiment ravi que tu m'aies demandé de rejoindre l'équipe. Ah ouais, est-ce que c'est bon? Je suis prêt pour la finale maintenant! Tiens, tiens! J'étais sûr qu'on te trouverait ici, je suis un génie! Et jamais loin d'une arène de Beyblade. On ne peut pas lui en vouloir, c'est ça être un vrai blader! Bien joué, les gars! J'ai l'impression d'avoir rajeuni, et c'est grâce à toi, capitaine. J'ai même trouvé ma paix intérieure, et c'est pas grâce à lui. Vous saviez que je suis reposé? D'ailleurs, je me sens tellement détendu que ce break a failli me desservir. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est vrai, on est tous ici. Hein? Le peuple a parlé. Oui, oui. Au repos. Règle numéro 1 du capitaine, s'en tenir à ses décisions. Oh, allez, quoi? Si tu prends la peine d'interrompre mon entraînement, j'espère que c'est important. Qu'est-ce que tu veux? Louis, je sais très bien à quel point tu détestes être interrompu pendant tes entraînements. Mais les matchs des chasseurs sont importants, alors il faut qu'on parle. Il me semble t'avoir déjà dit de t'occuper de l'équipe et de me laisser en dehors de tout ça. Les seuls adversaires que je combats sont ceux qui en valent la peine, et je ne fais pas d'exception. Mais... Dégage de là! Entendu. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que tu goûtes à la cuisine de Chou? Ah ouais, goûte ça, tu verras comme c'est super bon. C'est trop bon. Je te l'avais bien dit, en plus il en reste encore plein. Tu veux bien me servir une deuxième assiette? Moi aussi. Ouais, la même. Vous êtes trop sympa. Tu as besoin d'un coup de main, Chou? J'en ai bien l'impression. Waouh, tu arrives à te servir de tes deux mains en même temps? Oui, un peu. Je me suis entraîné pour ça. Chers athlètes, comme vous le savez, ces matchs ne reposent pas sur la force de chacun. En fin de compte, c'est toujours un bon travail d'équipe qui détermine qui gagne et qui perd. Je vous souhaite à tous bonne chance et il me tarde d'en prendre plein les yeux dans les combats d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, c'était Shin Komazaki, le président du tournoi. Il est temps que les dernières équipes en lice rentrent en scène pour la finale. Et c'est parti! Du côté rouge, voici le Beyblade Club de l'Académie de Begoma et sa détermination inébranlable. Ça va le faire, Val! Chou, allez! Il est là, mon frérot! Et du côté bleu se trouve une force qu'il ne faut pas sous-estimer. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Voici les chasseurs! Mais quelle infamie! Lui, Shirosagi, n'est toujours pas là! Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne compte pas venir? On va devoir prendre en main ce round sans lui. Comme tous les autres, d'ailleurs. Ok. Voici un résumé des règles. Durant la finale, la première équipe à marquer 5 points gagne. Chaque équipe compte 3 compétiteurs. Si les 3 premiers combats ne suffisent pas, nous ajouterons des prolongations. N'importe quel blader peut participer. Souvenez-vous qu'il s'agit d'une grande finale. Alors choisissez sagement votre compétiteur. Sagement? Mais sûrement. Sagement? Mais sûrement. Ouais, je me sens super en forme moi aussi. Bon, il faut qu'on choisisse les 3 premiers. Qui veut y aller? Vat, tu dois prendre la bonne décision. Qui, moi? Encore une fois? Eh, il ne faut pas lui mettre la pression, il a besoin d'espace. Je ne lui mets pas la pression, j'essaie juste de lui faciliter la tâche. Ok, ça y est, j'ai choisi. On va prendre Daigo, Chou et... Champion.
Ça, c'est trop de la bombe! Ah, tu étais censé me choisir, moi! Je comprends pas, c'est quoi le problème? Tu en as choisi trois, tu te souviens? Ah, j'ai oublié de me compter dedans! Le premier compétiteur des chasseurs est le jeune mais prometteur Kiyu Sandai. Regardez qui est là pour pimenter l'action. Le joueur indomptable et préféré de tous, Rantaro Kiyama. J'ai enfin parcouru tout le chemin pour arriver au sommet. J'ai l'impression que ça fait des siècles qu'on y travaille. Je ne me suis pas qualifié pour les matchs individuels. Alors il pourrait bien s'agir de mon dernier combat de ce tournoi. Jamais je ne me permettrai de perdre maintenant. Attention à vous! J'arrive et je suis super chaud! T'es prêt à m'affronter, petit? Je te préviens, j'ai toute une flopée de fans qui sont là pour me soutenir! Quelle audace! Champion défie son adversaire alors que le combat n'a même pas commencé! Tu peux fanfaronner autant que tu veux, ça ne t'aidera pas à gagner! Ha! Oui, peut-être pas, mais ça fait un bien fou! Ah, arrête de faire ça! À vos marques! Prêt! 3! 2! 1! Hyper vitesse! Yeah! Champion occupe immédiatement le centre de l'arène! J'espère que tu prends des notes parce que je vais te donner une bonne leçon! Non, ce combat, c'est le mien! Premier contact! Et Octavor ne bouge pas d'un millimètre! Encore un petit coup et ta toupie va éclater! C'est vraiment ce que tu penses? Zone Octavor! Allez, achève-le! Hein? Raging Octavor marque un point avec un KO par sortie d'arène! Hein? Hey, Valt, t'as vu ça? Et comment? Tu pourras dire que t'étais présent le jour où ce sera dans les livres d'histoire! Ça, c'est clair, j'en doute pas! C'était super intense, ce combat! Champion, t'es le plus cool de tous! Il vient de prouver que la confiance, ça ne fait pas tout. Allez, je vais mettre le paquet, moi aussi. Je n'ai plus rien à perdre à ce stade-là. Le suivant est le meneur incontesté des chasseurs, Gabe Brunei! Il affrontera le blader qui tire sa force dans l'ombre, Daigo Kurogami! Déchiré, frérot! Attention, c'est l'heure du super laser d'invincibilité! Deuxième combat! La toupie de Gabe est de type équilibre. Si je me souviens bien, quand Gaianon a attaqué Odax, il se dirigeait droit vers le centre. Je suppose qu'il va faire la même chose. Et si c'est le cas, on sera prêt pour ça. Attention, à vos mains, prêts! 3, 2, 1, hyper vitesse! Et c'est parti! Doom Sizer a été lancé à plat, tandis que son adversaire l'a été de façon inclinée. Il le poursuit. T'en es sûr? Tu ne pensais pas que je ferais la même chose deux fois? Dépêche-toi, t'en vais du milieu! Giga Gaianon se prépare pour un autre coup! Mais Doom Sizer parvient à l'esquiver! Encore! Et encore! Et encore un coup de bol! Il va perdre toute son endurance. Il est temps de passer à l'offensive à présent! Maintenant! C'est pas vrai! Ouais, allez, vas-y, Doom Sizer! Vas-y maintenant, Gaianon! Oscillation offensive! Allez, dégage-le de l'arène! Lequel va être en perte de vitesse en premier? Après tout ce qui vient de se produire, c'est devenu un combat d'endurance! On y est! Lequel sera le premier à abandonner? Et c'est la pointe de Doom Sizer qui s'arrête une fraction de seconde plus tôt! Un point pour Giga Gaianon! Avec un KO par dernier survivant! C'était trop cool à regarder! Un jour, je vais devenir un blader aussi bon que toi! Tu peux compter sur moi! Tout dépend de toi, maintenant. T'inquiète.
Ne t'en fais pas, c'est pas encore terminé. Ton frère a fait du très bon travail. Ah oui? Les chasseurs obtiennent un point. Il y a donc égalité avec un point partout. Les gars, je suis désolé. Si quelqu'un perd un point, un de ses coéquipiers le récupère. C'est comme ça que ça marche, le travail d'équipe. Hein? C'est toi qui nous as dit ça, tu te souviens? Oui, je crois. Taigo! Hein? Ryota? Rappelle-toi, Ken a dit que dans un combat entre équipes, tout le monde prend soin les uns des autres. Alors ce n'est pas terminé tant que ce n'est pas encore la fin. Il ne faut pas que tu abandonnes, tu as encore une chance de remporter ce combat. Laser d'invincibilité! Eh hey mec, je l'ai à la bonne, ton petit frère, tu sais. Oh. Hé, hey, Valt. Quoi? Prends soin de ça pour moi, tu veux? Oh, attends! Hein? Son gant? Voici le plus sage des chasseurs, Shinki Mikuni, face à Shukurenai du Beyblade Club de l'Académie de Begoma. Une rumeur court, Shu se serait fait mal à l'épaule. Eh bien, c'est ce que nous allons voir. J'ai l'impression que c'était plus qu'une rumeur, mais ne t'attends pas à ce que je sois tendre avec toi. Je tiens presque la victoire dans mes mains. Hein? Attends, qu'est-ce qui est arrivé à tes gants? Troisième combat! Une minute. Mais quel rebondissement! Shukurenai s'apprête à faire un lancement avec sa main gauche, alors qu'il est droitier! C'est incroyable! J'y crois pas! J'y comprends rien, il est pas droitier? Bon, c'est quoi le plan? Tais-toi! Il a appris à changer de main. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Rantaro, Daigo, je vais finir ce que vous avez commencé. À vos marques! Prêt! 3, 2, 1! Hyper vitesse! Ah! Impressionnant! Waouh! L'atterrissage s'est fait en douceur, sans aucun rebond! Il vient de faire un lancement encore plus stable que d'habitude. Comment c'est possible? C'est normal que le lancement soit plus stable si c'est la main dominante qui tient la toupie. Premier contact! Quelle frappe féroce! J'y crois pas, il gardait cette technique sous le coude depuis tout ce temps. Quoi qu'il en soit, ça m'empêchera pas de le démolir. Il est absolument impitoyable! Maintenant, crochet offensif! Deux points pour Storm Sprison pour son chaos explosif! Bien joué! Shukurenai l'emporte avec un lancement inattendu de la main gauche. Ce qui fait 3 points à 1. Tout est encore possible. Le Beyblade Club de l'Académie de Begoma a 2 points d'avance. C'est impossible. J'avais pourtant la victoire à portée de main. Tu ne vois pas que tu nous fais honte? Allez, dégage de là. Hein? Oh. Ça y est, il est là. Louis Shirosagi ne s'est présenté à aucun combat jusqu'à présent. Est-ce qu'il est là pour payer les pots cassés? Calme-toi, ça va aller. Louis, t'as entendu ce que je viens de te dire? Hein? Fous le camp! Je ne peux pas tolérer une performance aussi pourrie que la tienne. Les nuls comme toi, c'est bon pour l'équipe adverse, pas la nôtre. Oh, 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 hyper vitesse!
besoin pour entendre ce cri sans fin.